Salut, c'est Fred. Aujourd'hui, on se retrouve avec la découverte du jeu Pixel Pulse Ultimate, petit jeu que vous pouvez trouver sur la plateforme Steam gratuitement. Alors, tout simplement, c'est un jeu de Pulse. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà essayé de lancer une partie où il fallait créer un panda roux, petit panda des contrées japonaises. Bien sûr, je n'ai pas voulu me spoil, du coup, je n'ai pas terminé le Pulse. Je voulais juste voir combien de temps il fallait pour créer un Pulse. Et je vous jure, j'ai passé déjà une demi-heure à essayer de le créer. C'était vraiment, mais vraiment très très difficile de trouver les pièces les unes après les autres. Je vous cache pas que c'est assez compliqué de créer les puzzles, mais c'est ce qui est intéressant dans ce genre de jeu. Bien sûr, il faut avoir beaucoup de, comment dire, patience pour trouver toutes les pièces et essayer de terminer ce fameux puzzle. Alors je vous raconte pas, j'avais déjà essayé de faire un premier enregistrement qui n'était pas très réussi parce que j'avais voulu essayer de créer sans discuter avec vous. Ça rendrait vraiment, mais vraiment bizarre. Du coup, je préfère quand même avoir avec vous la création du Pulse. Alors pourquoi ça s'affiche pas comme il faut? J'essaie de le mettre dans le coin mais il veut pas. Pourtant c'est bien la pièce du coin. Très bizarre. De coin, elle est où là? Ça, c'est une pièce qui va sur notre panda roux. Mais elle est pas là, cette pièce, elle a disparu, c'est pas possible. Sérieusement? Où est-ce qu'elle est? Je suis en train de mettre tout de l'autre côté, mais c'est pas la solution parce qu'après, pour retrouver notre pièce manquante, on va bien galérer. Là, j'aurais peut-être dû faire le contraire en fait, prendre toutes les pièces claires et les enlever, comme ça j'aurais plus. Ah, encore une pièce de bord, d'accord. J'aurais pu plus facilement retrouver une pièce claire dans un fond noir et pas l'inverse. Alors, est-ce qu'on y voit un peu plus clair? Non. Non. On y voit Walou plus clair, ouais. Non mais sérieux.
Je vais craquer. Je le dis officiellement, ce créateur qui a fait ce jeu, c'est un sadique. Mais vraiment, vraiment un sadique. Franchement. Il y a du bien se poêler à se dire, eh, ils vont galérer à trouver les pièces, hein? Ça, on sait que c'est ça, voilà. Je vais réussir à faire tout le puzzle, mais sans trouver la pièce que j'ai besoin. Donc ça, c'est la truffe, d'accord. Où est cette pièce blanche? Blanc un peu gris. Gris un peu blanc. Ben, un peu plus gris que blanc, mais elle est moins blanc que gris. Non mais sérieux, il n'y a plus de pièces de coin et tout là en plus. Il n'y a plus rien et c'est vraiment prendre le joueur pour ce qu'il n'est pas. Je crois que je vais mettre cette découverte en accéléré. Je trouve pas la pièce que j'ai besoin. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Il y a encore des pièces qui sont cachées sous les autres pièces. C'est une blague, quoi. Non mais allez. Non, c'est pas toi que j'ai besoin. C'est dingue ça. Trouver une pièce, c'est pas compliqué. Il y a plus aucune pièce de bord en plus, c'est ça que je comprends pas. Ou alors ils ont été sadiques et c'est celle-là. Ah mais elle est pas dans le bon sens aussi, c'est ça que je comprends pas. Oula, presse Z. Ah, on peut zoomer, d'accord. Bon, ça m'aide pas beaucoup, mais bon. À quoi elle sert cette touche? Pourquoi vert? Ça sert à quoi que c'était pas au bon endroit, c'est ça? On peut pas pivoter les pièces vite fait là? Je suis en train de faire toutes les pièces. Attendez. Zoom, hein, clair, excitus, info. Angle A. C'est pas ça. C'est quoi cette blague? Rota de pièces. Right house. Right mousse. C'est quoi ça, right mousse? Ah, d'accord. Ah bah t'es où? Ah ben non, j'ai perdu ma pièce. Allez là.
Ils ont été sadiques. Mais non, mais reviens. Mais non, mais reviens. Ça la renvoie directement dans l'eau. Ah, je l'ai perdue cette fois-ci. Où est-ce qu'elle est? Donc c'était bien cette pièce-là. La blague totale, les mecs qui sont amusés à tourner les pièces du Pulse. Ils sont ma boule! C'est des malades! C'est des malades! Mais non, mais reviens, elle veut pas se positionner comme il faut. Ah, je vais rager. C'est quoi ces maboules? Les mecs, ils sont sérieux, ils créent des puzzles avec les pièces qui tournent. Non, mais oh. C'est des... Ah, voilà, là, voilà. Donc là, il est dans le bon sens, on est d'accord? Voilà. Ah, ils sont fous. C'est des fous. Ils ont créé des pièces de puzzles qu'il faut faire les rotations avec. Non mais les gars, faut se calmer un peu là. Faut arrêter de faire ce que vous faites. Hein. On dirait que ça les amuse de faire rager les gens. Oh non mais elle revient dans l'eau en plus la pièce. Ah, elle est où? Non mais t'es où? J'ai jamais vu un jeu autant me faire rager. T'es là. Non mais... C'est quoi ce système de rotation de pièces là? Ils auraient pas plus... un autre système donc pour eux moi je suis sûr que c'est celle-là qui vient. Ah, peut-être pas. Il y a quoi encore en pièces bizarres? Donc celle-là normalement elle vient dans le coin, voilà, elle vient ici. Je vais juste dégager ça parce que ça commence à me saouler. Putain, me dis pas qu'elle vient pas là. Oh, elle vient pas là. Tu m'embêtes, hein. Ah non, elle est retournée dans l'eau. Système vraiment bizarre. Ah, je la retrouve plus en plus. Vous verrez ma tête. Je suis... J'ai une tête de mec complètement déconfit. Je vous jure. Elle veut pas aller en plus. Elle était où la pièce de coin qui ressemblait à rien là? Elle est là. Donc toi, toi ça va être facile. Hop, du noir. Non. Oh, elle est où encore? Mais quel système ils ont eu quand même? Je sais pas, on fait pas ça. On s'amuse pas à mettre... Voilà. Donc en plus, il faut récolter des systèmes de pièces, c'est une blague. Donc il faut commencer ici. Oh non, les gars, ils ont été sérieux. Ah là là, je vous jure. Donc logiquement, c'est celle-là. Et mais quand je vais faire pour la pivoter, voilà, elle retourne dans l'eau. Mais viens. Mais pivote dans le bon sens en plus. Mais le mec qui a inventé ce jeu, c'est vraiment un fou. Elle veut pas se pivoter dans le bon sens. Et à chaque fois, elle retourne dans l'eau. Elle va pas en haut, elle va en bas, cette pièce. Voilà. Elle vient ici.
Il y a des mecs qui sont vraiment maso, hein. Voilà. Bon, ça commence à se délier un peu là, du coup. Mais il a fallu rager, hein. Parce qu'on avait en fait toutes les pièces, mais finalement, avec leur système trop bizarre, où il faut faire des rotations de pièces, j'ai jamais vu ça. En plus, quand tu veux faire les rotations, ça se fait pas comme il veut. Et oui, j'ai ragé, je rage, et je ragerai toujours sur ce jeu. Et je retrouve pas la pièce, elle est où? C'est pas vrai. Je sens que je vais noter ce jeu sur Steam, il va avoir 0,5 sur 20 si on peut. Parce qu'il est bien, mais ce système de jetons de la pièce, en plus elle est en dessous, hein, c'est des sadiques, hein. Ils s'amusent à mettre la pièce en dessous pour qu'on la trouve pas. Non, donc là c'est celle-là. Elle n'est pas pivotée dans le bon sens. T'es où maintenant? Elle est cachée derrière une autre pièce, comme par hasard. T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es là. Maintenant tu vas te pivoter dans le bon sens, merci. Voilà. Je pense que c'est celle-là. Hein. Mais retourne pas dans l'eau! C'est quoi ce bug? Mais. Mais non! Elle tombe vraiment dans le mauvais sens en plus. Viens ici, toi. Ah, c'est pas celle-là. Ah, j'aurais cru, tiens. Donc elle va venir après alors. Donc on a trouvé son emplacement. Il nous manque quand même celle qui vient là. Donc celle-là vient ici. Voilà. Ah, c'est celle-là là. T'as pas pivoté comme je voulais. Toujours pas. Toujours pas. Ah, voilà. Ça va, on commence à délier le coin. Par contre, il me manque du coup le reste. C'est peut-être celle-là. Ouais, ça doit être celle-là. Mais non, mais pourquoi ça retourne dans l'eau à chaque fois? Je sais pas si c'est un bug ou quoi. Donc là, c'est celle-là. Mais retourne pas dans l'eau. C'est pas vrai ça. Je sais pas si c'est ma version qui bug ou quoi. Ou si c'est vraiment un défaut du jeu. Bon, elle est où maintenant cette pièce? Parce que je parais qu'elle n'est pas pivotée dans le bon sens en plus. C'est pas ça. Ailleurs. Ah, voilà. Ouais, quand tu veux. Ensuite, c'est celle-là. Ah, quoique, peut-être pas. Ça a l'air pourtant. Hein. Ouais, si, c'est celle-là. Voilà. Ensuite, c'est toi. Ok. Je suis bon, Pulse, hein, c'est pour ça que ça m'énerve. Franchement, c'est des sadiques, les mecs, qui ont fait ça. Au lieu de laisser les pièces dans le bon sens dès le départ, non, il a fallu qu'ils fassent ça, quoi. Se créer ce système un peu bizarre. Non. Où il faut pivoter les pièces. Ah bah c'est pas ça en plus. Bon, c'est pas grave, elle va en bas, mais bon. Peut-être celle-là. Ça n'a pas l'air. Attendez, 2, 2 et 1. Ah, c'est peut-être celle-là. Ne retourne pas dans l'eau. Vraiment.
Après, je vais retrouver ce jeu dans ma corbeille, ça continue. Voilà. Ensuite, c'est toi. Voilà. Ensuite, toi, des pièces blanches, tu t'en vas. Mais retourne pas dans l'eau. Où est-ce qu'elle est maintenant? Ah, cette musique qui me saoule, ça y est. Vas-y. Voilà. Il va arrêter de nous prendre la tête, ce jeu. Hein. Bon, la pièce de coin, elle est où là? Bon, j'ai pas la pièce de coin, mais j'ai retrouvé une pièce de bord. D'accord. Pièce de coin, pièce de coin. Tu es où? Tu es où? Ah, t'es là. Mais non! Voilà, il y a peut-être un emplacement où il faut faire pivoter les pièges. Je sais pas, ça marche pas. Je comprends pas que ça fasse ça. Alors, c'est peut-être aussi dû au pavé, je sais pas. Hop, voilà. Ah, j'y avais cru, hein. peut-être celle-là. Non. Je commence à fatiguer au niveau des yeux, là. Il va falloir que j'arrête. Je commence à avoir vraiment mal aux yeux. Du coup, cette découverte se terminera là. Parce que là, franchement, j'ai vraiment mal aux yeux. Je suis en train de me répéter 20 fois, mais j'ai mes yeux qui me brûlent, en fait. Du coup, je veux juste terminer en mettant la dernière pièce. Voilà. Ça, c'est sûr que c'est pas ça. Franchement, les développeurs de ce jeu, c'est des gens pas bien. Non, ils sont pas bien. Parce que franchement, faire ça, faire rager les gens sur un jeu qui est censé être calme, reposant. C'est le genre de jeu que tu fais genre quand tu rentres de chez toi, que t'es bien, que t'es posé, que t'as envie de passer un bon moment. Eh ben non! Il te fait rager le jeu quoi. Il te dit rêve. Je vais te faire galérer. T'as cru que c'était la fête. Mais arrête. Je vais craquer. C'est quoi ce jeu? Ça va faire 1 heure et demie qu'on est ensemble. Je vais faire comme les jeux, les Sims, quand je fais une construction, je vais la mettre en accéléré. Vous n'aurez pas mon commentaire. Et puis c'est tout. Hein? Voilà. Hop. Appuyez quand même à boule. En plus, c'est pas cette pièce. Voilà. Donc là, effectivement, c'est bien celle-là. Non, c'est pas ça non plus. J'ai tellement envie de le finir. Ne plus avoir à le faire. Oublier ce jeu. Bon,
Je pense que la découverte va se terminer là. J'espère quand même que la découverte du jeu, je ne me rappelle plus le nom, mais je le mettrai de toute façon dans le titre de la vidéo. Vous aura plu. Moi, si j'avais à donner une note, je lui mettrais un 1 sur 100. Parce que franchement, le système de trouver les pièces, le système de devoir pivoter les pièces, qui déconne, le système que les pièces se tombent dans l'eau, et vraiment, c'est énervant. J'espère quand même que ça vous aura plu, ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas ma galère parce que je vais faire au milieu une vitesse accélérée comme ça, vous ne serez pas embêté. Pour ma part, je vous retrouve rapidement pour d'autres découvertes. Salut!